Allez, je reprends la suite de l'aventure. Je voulais absolument savourer mes premières gorgées de café ce dimanche matin, là, il est 10h. Et puis prendre mes deux gélules, là, mon traitement pour calmer mes nerfs, en ce juin 2020, en écoutant la musique jazzy de Paris. Ça me fait trop marrer. En plus, on a entendu la sirène de police qui dégénère, là, où il faut changer les piles. Ah non, trop bien. Oh la vache! Oh pis! Et les chants grégoriens maintenant! Oh le délire! Attends, je vais relire mes autres de mission, je sais plus c'est quoi. Ah oui, il y a des otages dans le bunker 3, c'est ça? Ah, j'ai un double objectif secondaire, doublon! Après avoir tenté de secourir les otages, informer Chet de leur sort. Protéger la fuite des otages en ralliant le bunker de la silhouette. Alors, l'objectif principal, entrer en contact avec les Illuminati à Paris ou leurs anciens dirigeants Morgan et Brett se seraient réfugiés. Oui, bah oui. Pardon. Oh la vache. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les 5 premières minutes, le temps de me remettre au jus, je vais faire de la merde. Genre, je vais me faire repérer en plein couloir par l'ennemi et je vais me prendre une balle dans la tête. Putain, les catacombes, c'est grand quand même. Ah non, c'est un tunnel classique que j'ai vu. Ils sont où ces cons? Mais c'est que c'est grand les catacombes hein. On s'y perd? Oh merde, il y en a un là.
C'est le mec. Le gars il est en super armure, le gars il va essayer de l'assommer avec un tibia. Un tibia les catacombes. Bon allez, sérieux. J'essaye de bien la jouer. Oh putain, il monte vite ce con. Il est reparti. Ah oui. Magnifique. Comment je l'ai neutralisé avec la classe? Eh ben, ce que j'ai prédit, c'est pas produit. En fait, je démarre sur les chapeaux de roue. Oh là là, si je suis régulier dans toute la session, là, je vais être plus fort qu'un Terminator. Je dis oui. Putain, on entend qu'il y a un court-circuit quelque part, là, ça grésille. Où sont les étincelles? Mais elles sont trop bien faites, les catacombes. Hey, speedy tutu. Yeah. Je serais tenté de faire des explosifs, mais c'est les catacombes de Paris, c'est pas respectueux pour les morts. J'observe un code moral quand même. Je sais pas ce que c'est. Attends, il y a un crucifix à toucher, le le bordel s'ouvre. Hey, speedy toutou, j'ai plein de passe-partout. Attends, je sais plus si j'ai sauvegardé là. Parce que j'aurais pas recommencé. J'ai trop bien. Oh, je vais être mis dans le secret. Il y a un info cube. Coûteux de lancer. Infocube. Agent est là. Nous vous avons créé un login pour le réseau de sécurité des catacombes. Bien qu'incomplet, celui-ci s'étend de jour en jour. Nous devrions avoir une grande majorité des tunnels sous surveillance dans les 3 mois. Ils prennent leur temps, c'est con, tellement que c'est long. Login est là. Mot de passe Ragnarok. Je suis très heureux que vous et le MJ12 travaillez main dans la main afin d'éradiquer l'infection silhouette de notre belle ville de Paris. Merci de m'informer quotidiennement du résultat de votre surveillance et de vous adresser à moi pour tout équipement ou information dont vous pourriez avoir besoin. Signé Gabi Lee. Gabi Lee, c'est quoi? C'est le nouveau maire de Paris? Il a remplacé Anne Hidalgo. Il a remplacé Anne Hidalgo en 2020 et il est resté maire pendant 30 ans. Gabi Lee. Lui aussi est de droite. Je le sais. Hey, speedy toutou. All be. Yeah. Oula, ah non, c'est un sac poubelle. Putain, j'ai cru que c'était un mec qui était accroupi. C'est quoi ça? Attends. Ouais, c'est bizarre. Je vais laisser ouvert. Ah bah c'est par là que je suis arrivé. Ça y est, la mémoire me revient. Ah oui, c'est trop bizarre, il y a une caisse de TNT. C'est par là que je suis arrivé. Barre chocolatée. Soja yop fait les ailes. Toi aussi t'aimes le soja yop fait les ailes. Attends, mais merde. Mais je tourne en rond. C'est là où j'ai neutralisé le soldat, mais... Attends, je piche plus là.
Bah, si je vais là, je pars à la rencontre du gars du SDF. Attends, je pige pas là. Ah, je suis pas allé là. Attention. C'est là qu'il y a un Mickey ennemi. C'est dans les catacombes de Paris. Ou c'est là où il y a le SDF. Merde, je sais plus. Non, je crois que je suis retourné là où il y a le SDF. Ça me dit quelque chose, les planches. Non, les caches suspendues, c'est le SDF. Oh, merde! Oh, coucou, je suis perdu dans les catacombes de Paris, on s'en fout. Ignore-moi. Putain, j'aurais pris toutes les intersections et en dernier la bonne. C'est tout moi ça. Et merde. Attends, il y a une porte qui s'est faite défoncer. J'ai l'impression que mon médoc pour calmer mes nerfs, là, il me donne des brûlures d'estomac. Voilà. C'est là que ça se passe. Oh putain! Oh, j'ai failli me faire dessus! Oh la vache! Mais là il va me voir, faut que je me cache. Voilà, merci. Ça mène où ça? Attends, il y a une grille, elle est mal. Pour le cul, je dis pas non à une petite torche spatiale. Voilà. Je peux rien en faire en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas de bouton pressoir, de brique bouton. Non, c'est... S'il meurt. Putain, tu vois que je vais pas réussir à remonter, ça va être la caca. Non, ça va. Mais arrête de te foutre de ma gueule. Mais... Putain, le mur invisible, quoi. Laisse tomber. Oh, gestion des collisions. Merci.
je vais me taper une caméra, c'est sûr. C'est obligé. C'est beau. Non, non, y'a personne. Nope, just nerves, I guess. Oui, c'était nerf, oui. J'ai ta nervosité. Oh. Alors, c'est foutu grille. Il y aura un moyen de la monter, non? Le passage est ailleurs. Merde. Ouais non, je vais commencer mais... Tant pis, c'est carrément des interrupteurs à la Tomb Raider quoi, le machin il fait tout le mur. Ah non, j'ai pas sauvegardé quand je l'ai neutralisé l'autre con. Attends, je retournerai bien là où il y avait le robot. Le robot vigie. Ça faudrait que je fasse un test. J'ai pas fait le tour de son bordel de... Par où qu'il passait ce quoi? Non, c'est un cul-de-sac. Oh putain! J'attends que l'autre coudron beau passe. Non, 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 faut pas que je mette le pointeur. Je vais me faire détecter. Ah, le voilà. The old catacombs exit is at the end of this passage, but it's been closed off for years due to cave.
Ah, parce qu'avoir une glow, ça vaut le coup. Hein. Avoir une glow, ça vaut le coup. Attends. Ah non! J'avais cliqué dessus, merde! Ah, vous êtes chiés! Ou alors je me plante à chaque fois, c'est le droit et le gauche, je sais plus. Bon là, j'ai merdé. J'avoue, j'ai merdé! Ah, et je vais me rendre fou. J'aime bien le cri du rat. Merde. Bon, je vais me concentrer sérieusement, merde. Mais c'est le fait de marcher sur le rat, ça me fait un décalage. J'ai le pied qui glisse. Rat à la con. Ah, je suis mauvais. Je suis mauvais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu le son du blip. Comme quoi, j'ai mis la main dessus. Ah merde, je l'ai loupé de peu à mon avis. Ça s'est joué à rien. Dégage le rat. J'ai stationné devant. Non. Mais je vais l'avoir cette saloperie de grenade. Mural. Non, pas comme ça. Oh le con. En fait, j'ai une barrière psychologique qui s'appelle le rat. Merde. Putain, mais sérieux, je me décale si je mets le pied sur le rat. Cette musique drama au piano, ça me fait toujours délirer. Au moins, ça me frustre. Oh, mais je suis de la merde. C'est incroyable. Ça me frustre moins de devoir recommencer 20 fois la maîtrise de la grenade. Allez, on y croit. J'étais trop timide. J'aurais dû y aller plus franchement. Mais si j'y vais à coup pris, ça marchera pas. Non. Ah si! Oh putain! Ah! Bien fait pour le rat. Oh vache! Est-ce que je peux me le maîtriser? Sacrifie une grenade à impulsion électromagnétique. Oh, je sais pas si ça vaut le coup, je crois pas. Je pense pas qu'il vaille le coup. Je vais faire son tour d'inspection là, mais. Ah, attends, il y a un truc en place centrale. Un livre. Alors va deviner que c'est là un livre. Alors journal. Putain, mais c'est au pixel près en fait. Journal d'Henry Layton. Entrée finale 13 novembre 2051. Alors je disais qu'on était en 2051, mais même pas. On est encore plus loin que 2051. Oh non, je vais me faire bouger.
m'a vu, ce con. Il a des capteurs larges. Give me your love in the morning. Il va arriver, ce con, il va arriver. Il écrase la caisse, il fait quoi? Ah, il a contourné. Petit malin. Voilà, barrage routier. Allez, passe. Non, je vais lire rapidement. Alors, entrée finale 13 novembre 2051, journal d'Henry Layton. Je vais dans cette section des catacombes depuis deux jours maintenant. Rose est probablement inquiète, mais tout ira bien. J'étais un peu perdu, mais aujourd'hui j'ai trouvé l'entrée du moqueur 1 et je sais maintenant comment revenir à la surface depuis ce point. Je vais me mettre en route pour l'Angleterre demain. Je sortirai à la surface d'un court instant pour trouver une auberge. Comme pour les excursions pour photographes, celle-ci fut intéressante, quelque peu instructive. Je laisse ce journal ici pour que le prochain aventurier qui le trouvera. Cette place est sombre, calme, un peu oubliée. Il semble bien que ce vieux livre plissé renfermera avec lui un bout de son temps. Oh, c'est beau. C'est dit avec de la poésie, quelque part. Ah, le robot est bloqué. Oh, merde. Ah oui, il est dans la mouise. Ah si, il a fini par péter la caisse. Culé. Chasse-moi d'or. Attends, faut que je me maille les fesses parce que le robot est rapide hein, quand même dans sa tournée. Ah oui, non, c'est un cul-de-sac ici, c'est vrai. Pam, pam, pam. Ah ouais, ah ouais. Da-di-di-da-da. Oui, bah, je suis obligé de descendre. Hein. La suite, elle est dans les étages inférieurs des catacombes. Les étages inférieurs des catacombes. Ramen. Oh oh. Hop 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 hop. C'était qui lui? Oh là là. Remember the briefing. J'ai commis une erreur impardonnable. Attends, j'ai l'impression que le mec qui est passé avait une casquette et lui avait un casque. Donc ils se croisent les salauds. Oh mon dieu! I've got a bogey, no ID. I got a boogie. I got a boogie. I got a boogie, no ID. Alors, il passe. Les mêmes mecs en fait. J'ai cru qu'ils étaient deux, mais c'est moi qui flippe grave en fait. Oh la vache. Lot of bones, huh? Paris graveyards were literally overflowing their retaining walls when the city ordered the bodies to be exhumed. Ouais. Toxic gases, you know, bacteria. 30 generations of Parisians were carted off to these limestone quarries. Attends, je vais aller voir l'étage inférieur quand même. Il y a une échelle.
qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh mon dieu, ce crâne humain! Oui, j'allais dire pourquoi il y a une. Pourquoi il y a un mini-escalier? Attends, ça met nous ça? What the hell? Mais je suis où là? Mais c'est des bâtiments propres, y a pas ça dans les catacombes. Soit passe-partout ou un explosif. Ah ouais, mais si je fais péter à l'explosif, je perds la machine qui répare. Oh putain. J'ai pas de petite caisse pour passer au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je passe dans l'arc électrique? Mais je vais mourir. Ah, il y a du monde en plus. En plus, il y a du monde, alors laisse tomber. Cette musique au piano. Ça, puis le jazz de l'intro. J'en peux plus. Ça me fait trop délirer. Ah non, même pas, c'est des gaz en plus. Non, c'est même pas de l'explosif, c'est du... Je vais dire du gaz, ça. Hein. C'est du... peste grise. Oh, merde. Oh, merde. C'est même pas des explosifs. Les explosifs sont là-bas, c'est la TNT. Oh, les salauds. Mais si je tire un coup de feu, j'attire du monde. Oh, j'avais oublié que j'avais des cartouches explosives. Merde. Je crois que j'ai tiré une balle de 9 mm, moi, pas une grenade. Oh le con. Oui, d'ailleurs, je peux pas changer de... Je peux pas changer de munition. Si... Ah, merci. Voilà. Ah, je préfère. Oh, mais... Oh, attends. Mais parce que si je tire là, c'est le drame. Qui se pointe, il va crever, c'est pas la peine. Non, c'est pas logique mon truc, laisse tomber. Il y a quelque chose qui colle pas. Je vais faire sauter le boîtier électrique avec des décodeurs là, parce que... Bunker 3, ouais, bah c'est là où il y a les otages. J'avais même pas lu les cryptos. Heureusement que je reprends le chemin en sens inverse. Il y a plein de trucs, j'ai pas déverrouillé, ça me rend fou. Ça, c'est quoi? C'est la clanche une fois que t'es du côté opposé? Même pas. Je sais pas, j'ai enclenché un truc, je sais même pas à quoi ça correspond. C'est pas le truc avec les marches, non? Ça n'a rien à voir.
Mais d'ailleurs, je suis pas allé en haut des marches. J'ai neutralisé le Mickey, mais je suis pas allé au bout de la pièce. J'ai zéro pointé en exploration. Ah. On est où là? Moi, faut que je trouve un nanocode, une clé électronique. Expand the 60s, petit baby doll, bébé. Mais où sont passées tes années folles? Je sais pas pourquoi je chante ça. L'ambiance parisienne, peut-être. Oui, ça c'est l'autre caisse, mais non, c'est pas les mêmes. Putain, je sais pas comment on fait. Catacombe de Paris qui me rend fou. Bon, je vais prendre les décodeurs là que j'ai en abondance. Et je vais faire sauter votre boîtier électrique à la con là, la MJ12. D'ailleurs, oh mon dieu, ça fait peur. Ça fait peur! De la merde, tais-toi. Je suis dégoûté. Oh, chiotte. Vaudrait le coup que je balance une grenade glow pour tout faire péter, en fait. Oh là 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 là. Mais c'est con, mais c'est ça en fait. Ou alors, je balance une... Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais il faut une grenade pour faire les lasers et la caméra, c'est impossible. C'est trop long. Enfin, je peux toujours faire un essai, mais... Non, là j'aurais pas la caméra. Ouais, je sais pas si la grenade va être rentable parce que sur le retour il risque de se faire buter donc. Ah merde, putain, j'avais pas vu. Et les otages seraient là? Oh putain, il y a des caméras partout. Vous faites chier avec vos caméras. Oh là 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 là. Bon, changement de programme. Ah ouais, non mais... Po. Non mais laisse tomber, c'est la base souterraine du MJ12 dans les catacombes. Je suis obligé de le confesser, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je vois pas. Ah, attends voir. Est-ce que je peux pas essayer de prendre le bras zéro
de monter à l'échelle et foutre le bras zéro devant la panne électrique. C'est un peu ma boule, mon idée, mais ça peut tenir. De toute façon, qui vivra verra. Ah, 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 ah. Oula. Je sais pas si... Attends, c'est quoi mes aptitudes? Je sais plus. Non, moi il faudrait que je fasse F11, F9 pour pas mourir. Attention! Ah si, ça a marché. Oh putain! Je suis parvenu à passer. Ah, c'est pas con mon truc. Pourquoi j'ai pas que des mauvaises idées? Ah bah tiens, il y a un prout en cadeau. Ah, ces explosifs là. Ah ah. Ah mais je peux pas mettre un baril de biohazard sur le... Le bordel va exploser, non? Allez, on va essayer, tant pis. On va essayer. Ah non, non, ah non. Le mauvais choix. Bah heureusement que j'ai pas eu le baril d'explosif. De quoi, il m'aurait détecté, c'est con. Putain, faut pas qu'il tire, parce que s'il y a une balle perdue, je suis dans le local aux explosifs. C'est trop bizarre. Attends. Ah ouais, les gars sont... Ouais, mais les otages, ils sont comment? Ils sont en vie ou ils sont morts? Je vais bouffer toute mon énergie. Bon bah quand il n'y aura plus de gaz vert, je repasserai en haut. Apparemment, je crois que c'est... Mais comment le gaz a circulé comme un truc de malade, quoi. Putain, foutre le baril contre l'électricité, ça fait un diffuseur. Mais diffuseur... Hello? C'est pas possible. J'ai quoi que j'ai fait une connerie. Après un lâcher de caisse, j'ai fait ce qu'on peut appeler un lâcher de baril. Hop, et puis ça reprend. Putain, mais c'est horrible. J'ai réussi à créer une boucle infinie pour avoir du gaz partout. Oh là là. Oh là là. Oh, cette merde. Bon bah du coup, je vais aller au bout de mon ânerie, parce que... Ah non, j'avais dit que je ferais sauter avec du... J'avais dit que je ferais sauter avec de la TNT. Je peux pas passer avec la TNT. Oh, oh gaz de merde. Et encore, c'est peut-être pas la sauvegarde que j'aurais dû prendre là. Ah si, là ça va encore.
Attends, si je fais ça, je peux pas... C'était presque ça. Ah, merde. Parce que si j'arrive à me barrer avec une caisse de TNT, c'est peanuts. Oh. Ah oui. Je veux faire l'économie d'une grenade et puis pouvoir faire sauter la grille. Y a rien qui puisse arrêter le... ce truc à la con. Oh, fait chier. Comment je peux faire? Comme ça. Watch yourself. This one's some... Mais... Attends, j'ai attiré un mec en courant. C'est intéressant ça. En faisant le con, j'ai... Oula, si le robot vient par là, il va prendre une décharge. Oula. Oh! Yeah, false alarm, I guess. Ils ont coupé l'électricité? Oh les petits cons! Alors ça c'est nouveau. Ah ouais. Petit trou duc. Putain, c'est con. C'est con qu'il y en ait deux. Il y en a pas un qui peut se casser. Ah oui, tu parles. Si j'attaque le premier, le second va me voir. Ou alors je snipe. Je snipe lui. Je rêve, il a pas réagi ce con. Quoi? Attends, j'ai pas compris là. J'ai tiré, il est pas mort. Quoi? Attends, c'est un bug là. Company. Merde. Ah bah oui, mais le temps que je change d'arme. Mais attends, mais c'est bugué. Non, non, j'ai eu un sacro-saint bug de collision, là. Ouais, bah tant pis, je fais celui-là, puis voilà. J'ai la tête en feu. Je suis ce qu'on appelle une tête brûlée. They say the guy's got some new kind of implants. Yes. Là, si je fais pas le con, je passe tranquille. Oh, mais non, amen. Mais attends, mais comment ils ont fait pour couper l'électricité, eux? Putain, c'est la meilleure.
Ah non, mais je suis sur le cul. Tranquille, le MJ12 qui passe. Hop, je te coupe l'électricité, y'a plus de soucis. Je sais pas où était l'interrupteur. Ah, c'était peut-être ça. Je sais pas. Oh bah, tu parles maintenant, c'est un porte-peu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. La résistance est pas infinie. Mais le problème, c'est qu'il y a des barils. Donc faut que je déménage les barils et que je foute un explosif devant la grille pour la faire sauter. Eh ben, au boulot mon grand. On va ranger les barils là. Voilà. C'est pas les pattes hein, les barils là. Ce sont ces barils. Faut pas traduire mes termes en bouffe. Attends, j'ai plus besoin de... Oh bah je vais abuser comme il y a le robot de recharge. Je vais la jouer stratégique. Voilà. Groupe ma, toujours pas là pour moi. Ah j'aimerais bien que le robot retourne dans la pièce à côté. Ah, ça me ferait chier qu'il... Voilà, c'est bien. Ça m'aurait fait chier qu'il... Yes. C'est du travail de pro. I am a professional. Y a rien à dire. Ah non! Ah non! Je croyais que c'était là où il y avait les prisonniers, mais non! Oh, quelle déception! Ah merde! Bon, j'ai libéré une zone, hein, c'est toujours ça de prix, mais c'est pas celle que je voulais en fait. Ah merde! Merde, merde, merde et merde! Pour y aller. Mais d'accord, je peux pas patater là. Mais non, c'est beaucoup trop robuste. C'est la qualité française, s'il vous plaît, messieurs dames. C'est pas de la même. Ah, il y a une échelle. Ah, il y a une échelle. Faut que je sois à l'étage supérieur, il y a une échelle. Il y a eu une échelle. Je l'ai vu, la échelle. La échelle du bonheur. Putain, il y a une échelle. Ah, il y a un truc qui m'a échappé. Ou alors... Attends, je réfléchis. Mais non. On arrive par le haut. Attends, comment c'est possible? Ah, ça y est, j'ai compris. Ça y est. Mais oui. Mais quel abruti je fais. Surtout que je suis allé du mauvais côté. Oh, les nuls. Ça y est, j'ai compris. Exploration de niveau, allez, on y croit. Un jour, j'y arriverai. Un jour, je serai le plus fort. Mais oui, mais... Oh là 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 là. Quand je dis que par moment, j'ai le QI d'une huître. Oh, un infocube. Agent est là. Ah bah, je l'ai déjà lu, ça. Putain, le mec, il sème ses infocubes.
Oh, c'est divin. C'est divin d'avoir accès à ceci. À ceci, cela. À ceci, ça. Oh, cette générosité. Oui. Je gagne même des fléchettes. Que demande le peuple? Cet objet est trop lourd. Je t'en foutrais, moi, du trop lourd. Y a pas de panneau de contrôle. Eh hey, oh, j'ai fait toutes les façades. Mais c'est truqué ce truc. Mais c'est quoi cette merde? La logique voudrait que j'explose, hein, parce que. Impatatable, je sais pas pourquoi. On peut pas le patater, pourtant j'en ai rêvé. Putain, c'est une unité de brouillage et ou de contrôle. Et y'a rien dessus. Casse-couille. Cette déception. Cette déception. Wow. Attends, je vais juste faire un test, mais à mon avis, il sera négatif. C'est-à-dire que le bordel va pas exploser. On va essayer. Juste pour voir. Ah si, il explose. Ah. Ah. Alors ça me laisse dubitatif. Attends. Ça vaut le coup que je revienne qu'il y a une caisse de TNT que j'abalance. C'est trop bizarre ça. Parce que si je pète cet émetteur, j'ai un bonus. Je fous la panique chez l'ennemi. On est d'accord. Je vais aller chercher une caisse de TNT. TNT for the brain. I don't know. Cause you're the rain. Dum 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 dum. Dum 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 dum. TNT for the brain. Merde, je peux pas sauter quand j'ai un objet dans les... Ah mais si, attends, je suis au bon endroit. Et je n'ai pas besoin de sauter. Ouais, bah je me lance ça. Hop là. Voilà. Si je dis pas de conneries. Attends. Ah, ça avait l'air vachement clair. À un moment, je me suis demandé s'ils avaient pas foutu un terminal sur la brique. Ah, bah ça a ouvert le passage, dis donc. Ah, j'ai fait sauter la grille. Ok. Ah, c'est pas si solide que ça en fait. Bon. Si vous le dites, les mecs. Pam 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 pam.
be where you'll find the hostages. Dans quoi j'ai mis les pieds, moi? Je découvre des choses. Je reste sur la bordure ou je me jette à l'eau? Oups. Ça va, et le mec il m'a pas entendu. Je suis trompé in the morning. Qu'est-ce qui court? Oh putain! Il y a le passage du robot. Attendre le passage du robot. Le passage du robot. Le passage du vilain papa. Etc. Lipsanotech. Je dis n'importe quoi. Pfft. Ah. Et la caméra. Diana, that's the one. Okay, drop it. Oh, c'est dégueulasse. J'aurais pu la voir en toute beauté. Je suis. Et j'allais dire dégueulassé. Il y a un peu de ça. Oh le bug. Diana, watch yourself. This one's some kind of man. La saloperie. Bien mise en valeur. Merde, je l'ai tiré du mauvais côté. Oh là 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 là.
pensé avoir le robot Vichy en même temps, mais j'ai tiré trop tôt en fait. Les otages. J'arrive pas à comprendre où sont les otages. Partout, j'apprécie. Ce que je fais est complètement naze, mais ça me fait plaisir. Vraiment, on va dire que j'avais un peu froid. Je suis en train de me faire défoncer par des moustiques. Je vais avoir un décodeur en cadeau, alors autant que je pirate là. Hop là, je te l'éteins. Oh merde. Oh mais c'est parfait ça.
poussière. We have to get moving. Oui, mais attends mon signal. Attends mon signal. Parce que si tu te barres alors qu'il y a des soldats, tu vas mourir comme un caca. Parlez-moi d'abord. Keep a lookout. D'accord. Mais j'ai pas trouvé leur poste de contrôle, ça qui m'en fout. Attends, c'est un symbole SS, ça. Oh, elle a ouvert la porte, la connasse. Oui, c'est vrai. Non, là, faut que t'attendes. Oh, vous faites chier. Non, n'y va pas. Voilà. Là, après, on s'en fout. Mais y'a plus de soldats, je les ai butés. Attends, vous êtes où? C'est une intersection que je ne connaissais pas. Qu'à te dire, ça vient de me sauter aux yeux. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot, ma couille. Attends, non, c'était de l'autre côté, je crois. Attends, c'était où le truc? Allez, détourne ton regard, ma grande. En plus, j'ai pas pris ça. Allez, si je saute bien. Ta-ta-la-la. Nickel, oh le chef. Oui, donc moi je venais de là, d'accord. Oh merde, c'est vrai qu'il y a la camarade. Alors attends, j'ai plusieurs choses à... Ah oui, attends, il y a un truc là. Attends, c'est moi qui déconne ou... Non. Non, on est d'accord, je déconne. Je vais te découverte en découverte, hein. Non mais c'est trop fort. Là on est d'accord, il y a un mec qui me... Oh putain. Waouh, en fait j'explore vachement mal le niveau, c'est dingue, mais c'est Deus Ex, c'est magnifique.
Ah oui! C'est la zone de contrôle, ça me plaît. Calibre que je n'ai pas, des lunettes plus noires que moi. Elle a, elle a. Putain. Oh merde! T'as une balle dans la tête, elle est pas morte la salope. Méfiez-vous des agents augmentés. La dangerosité des agents augmented. Ah merde, j'ai plus de balles. Enfin, faut que je recharge mon... Ta gueule. Wesh. Happy. Ah ah. Ah, je suis content d'avoir dévoilé le succès. Attends, je m'offre une pause en direct de 2 minutes. Ah, je vais en profiter pour aller un peu. Oh mon dieu! Allez. Eh bien, j'ai aéré. J'ai fait la mise à jour de mon téléphone portable. Et je viens de boire une gorgée de café au lait. Donc tout va bien. Putain.
éclaire tout. Merde! Ah, je voulais le guaquer avec le TNT, le faire exploser. J'y arriverai un jour, je ferai la combinaison parfaite. Merde. J'étais censé être sec. Non, sérieux. Il y a le jackpot juste à côté. Oh oh. Non. Merde. Oh. Je me suis fait avoir par la molette de ma souris. Bordel. J'aurais pu me le faire à l'épée dans le dragon. En deux coups, je l'avais. Encore qu'il était en état d'alerte normalement. Mais... Aïe, je me suis brûlé. Oh oui. Magnifique. Alors, InfoCube de Aston Greer à agent Mariella. À votre arrivée à Paris, vous devrez collaborer avec l'inspecteur Gabili. Ah, c'est l'inspecteur, d'accord. Gabili de la police parisienne. Votre contact pour toute la durée de cette mission. Aidez Gabili par tous les moyens à faire disparaître les éléments persistants des relations entre Silhouette et les Illuminati. Ah, intéressant. Notre deuxième priorité est la récolte de toutes informations sur la localisation de Morgan Everett, Tracer Tong, Alex Jacobson et Jesse Denton. Tout renseignement inédit doit immédiatement et directement être communiqué à Walter Simmons. Nous avons des raisons de croire que Denton pourrait se rendre à Paris dans l'intention de s'allier aux Illuminati survivants, une éventualité à laquelle vous devez vous interposer avec la toute dernière énergie. Aston Green, directeur de la sécurité FEMA. Oh oh oh. Code de l'entrée des égouts du catacombe. Ok. Non, sérieux? Arius, Sirius, oui, j'avais le code, mais je piratais. Voilà, comme ça j'aurai les objets à récolter juste après. Ah oui, il y a ça en cadeau. Donc on est d'accord, il n'y a personne. Hein. C'est bizarre, j'arrive pas à savoir où je suis en fait.
D'accord, il y a une échelle. Ok. Oh, encore un décodeur, putain. Bien joué, ça se tient, c'est logique. Oh oui, je dis oui. Eh ben, je suis tranquille maintenant. Il n'y a plus qu'à voir ce qu'il y a à l'étage supérieur là. C'est quoi ce truc? Ah merde! Il y a un gros soldat dedans. Ah merde! Je ne suis pas encore complètement tranquille. Balle de snipe. Je vais peut-être passer au pistolet mitrailleur.
Merci. Casse-couille. Lui, il m'aura bien fait suer. Bah, y a la cellule bioélectrique de l'autre aussi que je peux... Ah, il m'a fait foutrement mal, hein. Alors attends, je vais aller voir le temps que je suis là. Ah mais non. Ah d'accord, le truc sert à rien. Je me suis fait chier pour rien. Bon bah tant pis. On va dire que c'était pour le score. Le gars il pouvait crever dans le... Oh. Voilà, nul le gars. La cellule bioélectrique de l'autre. Regarde là. Fouet, je vais libérer les otages à Paris. Paris libéré. Ah, vous avez pas... C'était... Un passe-partout. Oh, merci. Infiltrator. J'ai le maximum de passe-partout. Vous l'avez dans le cou. C'est l'heure de votre sortie de prison. J'ai gagné. Allez, sortez. We have to get moved. Keep a lookout. Yeah. Vous avez rien? Ah ouais, vous êtes vraiment des pauvres. Hein. Bon, on y va. On peut passer par là. Toi, t'es la maman, Anna. Tu es la maman. Est-ce que vous pouvez... Je crois pas que vous puissiez nager. Attends. Eh, je vois plus rien, là. Ah, c'est une porte. Ok. Voilà. Merde! C'est ça qu'il fallait faire. Et merde. L'herbe grenade mes couilles. Yes. Attention. Voilà, comme ça il n'y a plus de... Et
voilà. Alors, vous venez ou vous venez pas? Mais putain, mais ils sont cons comme des manches à balai là ou quoi? Oh, je vous libère. Mais ils sont pas retournés dans leur trou, j'espère. Ils sont où ces cons? Ah putain, vous êtes... We have to get moving. Vous êtes fourvoyés. Mais attends, mais... Oh là 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 là... Vous êtes trop mauvais, vous êtes des mauvais... Mais le monsieur, il est où? Mais il est encore en bas? Oh là 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 là! Keep a lookout. Mais... Suis-moi, abruti! Let's go! Putain, c'est l'évacuation d'otages la plus balèze que j'ai jamais faite de toute ma vie, là. Oh, les clampins, hein. Oh non, c'est Anna qui suit plus. Anna, tu fais chier. Viens. Allez, viens. Watch out for the commandos. Ouais, mais je les ai butés, tes commandos. Ah, on progresse. Certains sont tous morts. C'est bien. Oui, c'est par là. Désactivé, je crois. Non, c'est pas le bon endroit. On recommence. Eh hey, oh, suivez-moi. Mais arrêtez. Mais arrête. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais vous êtes con. Mais vous êtes con. C'est pas croyable comme vous êtes con. Mais suivez-moi, bande de nazes. Oh alors, vous me suivez? Non, y'a que toi. Anna? Oh là 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 là. Oh, heureusement que les otages réagissent pas comme ça dans Rainbow Six. Hein. Je démissionne du GIGN, les otages sont trop cons. Non, ça c'est la planque du SDF. Non, non, c'est pas par là. Après, je sais plus du tout. Monsieur. Ah, c'était là, je crois. Ouais, c'était là, tu me suis? Et après... Who decided to arrange the bones into mosaics. Ouais, d'accord.
Attends, je sais plus où c'est. Non, je suis perdu dans les catacombes de Paris de merde. Elle est où la planque du... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eux aussi. C'était par là, je crois. Ah, j'avais même pas vu, dis donc. Ah oui, j'en ai tellement que... Ouais. Ouais, je sais pas si je peux la faire passer par là. Merde. Attends, le bunker numéro 1, il est où? Je sais plus où il est. Je suis perdu, les mecs. Ah, mais merde. Ah, c'est là, je crois. Non, ça, c'est les rues de Paris, ça. Mais non, mais non, mais non. Non, 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 je me plante, là. On retourne à la surface, ça va pas. Je vais pas retourner dans les rues de Paris, maintenant. Oh, le con. Ah, c'est... Non, bah non. Je suis perdu, mais c'est où, fais chier. Oh là 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 là, les catacombes, ce bordel. Mais non, mais non, mais non. C'était peut-être par là, je sais plus. Ah bah c'est Juvo maintenant. Mais c'est un sketch. Cette évasion est en train de tourner en sketch. Attends. Ah mais non, mais c'était là qu'il fallait que j'aille. Non, ce que je dois fermer, c'est ça, moi. Voilà, ça c'est la base du MJ12, donc j'en ai rien à battre. Voilà, ils sont là, les... Ça y est. Oh là, j'allais remonter dans les rues de Paris. Ça y est, on a gagné. We are surrounded. We don't have much time. We made it. Thank you, sir. I owe you my life. Attends, elle va filer voir ça. I can't find the words. All I can say is thank you. Il est où, le gamin? Il va être content. Thank you for saving our comrades. Oh, gamin. I thought they were going to kill her. Non, ça va. Ah, c'est cool. Alors, t'es content? You did it. Ouais, j'ai réussi. Now it is time to regroup. They were going to execute us. Ouais, je sais. I will get revenge. I thought they were going to kill her. Bon, allez. Now we have a chance. Ouais, ouais, mission réussie. Alors, je vais parler au Big Boss. Putain, je me perds dans les catacombes. We salute your courage. Non, c'est pas le chef. Attends, il est où le chef? Il est là, le chef. Il a froid, le chef. I freed the hostages. Wonderful. Where are they? Both of them made it to the hideout safely. I made sure of it. Excellent. I cannot believe our good fortune. Now, you wanted to contact Nicolette? Yes. You might catch her at Club La Porte de l'Enfer. I tried to tell her it's not safe, but ever since her mother's assassination, she has been careless. She goes out every night as though daring the assassins to show their faces. A silhouette hangout? Among other things. But you can't get there at night. The roads are blocked. What about the tunnels? The catacombs do not go that far. You might try the sewers, though. They can be reached through the rear blast door. Is it locked?
Unfortunately, MJ-12 closed it before the raid. Maybe you can find a key on one of the soldiers. I already picked up that key. Thanks again for the help. C'est bon, ça. Nicolette has been somewhat mysterious about our reasons for supporting us. I do not pretend to understand her. Through her mother's estate, she has provided Silhouette with immense amounts of funding. Nicolette, ça fait nom d'un patch pour arrêter de fumer. Ah oui, je confonds avec Nicorette. I'm reluctant to believe her patronage is entirely benign. What inclines me to trust Nicolette, however, is that her mother's death 6 months ago, we're fairly certain was the work of Majestic 12. Ouais, mais les MJ-12 là, c'est des ordures comme pas possible. Beth Duclar was the only one of our wealthy supporters whom we referred to by name, and she was the one who got killed. We have learned to keep our mouths shut. This war all around us is being fought over the very meanings of words. Tu me l'as déjà dit. I wish Nicolette would be more sensible. She should find a place to hide and stay there. My impression is that Nicolette supports us against Majestic 12, but that she will have her own agenda when the fighting is over. This war all around us is being fought over the very meanings of words. My impression is that Nicolette supports us against Majestic 12, but ouais, that she will have her own agenda when the fighting is over. Fui, fui, fui. Ah, medikit. Mais j'en ai déjà de medikit, alors. J'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a dedans? Non. Mais je peux pas m'empêcher de faire le test. Code de la porte coupe-feu. Oh, un livre! Richard III de William Shakespeare, acte 1, scène 4. Clarence. Oh Dieu, quelle douleur c'était de se noyer! Quel affreux bruit d'eau dans mes oreilles! Quel spectacle hideux de mort devant mes yeux! Il me semblait voir 1000 effrayantes épaves, des milliers d'hommes que rongeaient les poissons, des lingots d'or, de grands ancres, des monceaux de perles, des joyaux sans prix, épars au fond de la mer. Il y en avait des têtes de mort et dans les trous qu'avaient occupés des yeux étaient fourrés des pierres incandescentes qui, de leur regard dérisoire, couvraient le fond de boue et de l'abîme et narguaient les ossements dispersés près d'elles. Mais j'ai déjà lu ce chapitre de Shakespeare. De Shakespeare. J'aurais préféré une chanson de Shakira. Évidemment, ça je l'ai lu. Oui. Je l'avais lu dans l'épisode précédent. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Thank you for saving our comrades. Yeah, un plaisir, ma couille. Now we have a chance. Mais oui, vous allez vous en sortir, mes grands. Allez, à jamais. Je pense pas que je vous reverrai les silhouettes. Je vais aller voir Nicolette Duclar. Parce que chez Nicolette Duclar. Alors, les égouts. La porte des égouts a été scellée. Bonne luce, salut. C'est ça la porte des égouts? Non. La porte des égouts. La 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 la. C'était la porte des égouts. Et puis, plouf plouf. Oui, je venais de là, moi. Là, je vais reprendre les hauteurs de Paris. Mais ça se pète, ça. Attends. Ouais, pardon, mais... Je me demande si... Si c'est pas le même couloir où il y avait le mec du MJ-12. Huh?
je suis en train de m'offrir une douche de merde et de pisse. Signé Paris. Oui, bah c'est par là. J'en ai 20 des... Ah non, j'en ai 10 des... Ouais. Attends, je suis plus santé, je suis à fond. Ah, je suis pas complètement à fond. Je peux m'amuser à manger un peu de... Hop. Bon, ça c'est fait. Attends, faut pas que je coupe comme un dératé, parce que... C'est la sortie. Ah d'accord. Ok. Oui mais attends. La porte des égouts elle est où alors? Faut pas que je remonte à... en ville si? Dans les rues de Paris? Oh je veux bien me faire une petite exhibition parisienne. Allez si merde. La capitale est tellement jolie, même dans le futur. C'est quoi ça? Ah, c'est un mécanicien que j'ai buté carrément. Oh, je respire un peu d'air frais, j'en ai marre. Ça fait du bien. Oh, si j'allais revoir le mec. Bah, c'est une clé. Qu'est-ce que ça fout là? Clé de l'entrée des catacombes. Elle est bonne celle-là. Can we make a deal? Modificateur de recul. I'll pass for now. Modificateur de recul pour 400.
c'est sympa ça. Ouais, non, y a plus rien à faire là. Il faut que je me barre dans les égouts de Paris. Oh, je ferai ça un prochain épisode. Je ferai ça, ouais, de cet après-midi. Comme on est dimanche, oui, il va être midi. Je vais m'arrêter là. Mais c'était vachement bien.